L'action se passe. Ça passe ici maintenant. Bienvenue à l'errance rénaldienne. En ce moment, 1000 mensonges massent la réflexion, malaxent l'entraque. L'entraque au bonheur, pas l'entraque, ça c'est une autre affaire. Je recommence. En ce moment, 1000 mensonges massent la réflexion, malaxent l'entraque au bonheur. En ce moment, un homme masque la vérité et pour lui, ils iront voter. Alors, 2 heures, une errance, et voici le pitre qui change les chapitres radiophoniques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même jusqu'à 18h. Mais oui. Et donc, jusqu'à 18h à l'errance rénaldienne. Bienvenue, et ça commence comme ça. On fait pas devenir tous des pêcheurs, puis à un moment donné se faire pêcher par des requins! T'as-tu vu comment un requin peut t'attaquer, hein? Lui, là, il monte, il donne pas d'efforts. C'est un hypocrite, le requin. Bref, il y a ben du monde qui joue au requin, hein? Ça marche tout droit. Les yeux, ils voient tous les bords, hein? Puis à un moment donné, il regarde, il voit sa proie. Ben, je sais pas s'il voit bien, le requin, mais admettons qu'il sent sa proie. Parce qu'il doit avoir un muffin. Mettez pas trop de farine dans votre muffin, là! Pas trop de patates. Bon, OK, fait que là, non, les amis, non. C'est pas mon propos. Mais, hein, qu'est-ce qu'il dit? On comprend pas ce que tu veux dire. Non, il y a plusieurs niveaux, OK? Mais, si vous restez au premier niveau, là, c'est... Hein, c'est quoi cette émission-là? Hey, on n'aime pas ça, nous autres, là, on comprend rien. C'est-tu pour les gens qui ont le décodeur? Ben oui, il faut avoir le décodeur. Si vous êtes pas membre de CKRL, vous pouvez pas comprendre. Ça coûte 25$, le décodeur. C'est pas cher, 25$. Mais je vous en parlerai dans la prochaine demi-heure. Là, c'est pas le temps, là. Là, c'est le roteux, la saucisse. On était plus rendus dans la saucisse, nous autres. On était rendus où, donc? Là, on est rendu dans la sueur. On sue. Ça n'a pas de sens. Non, mais on sue parce qu'il fait chaud, aussi! Fait chaud! On aime ça avoir chaud, on aime ça suer, là, parce que, hein, on travaille à la sueur de notre front. Quand on sue pas, on dirait qu'on travaille pas, hein, on gagne pas notre pitance, là. Un intellectuel, là, ça travaille pas, ça sue pas, ça tient des crayons, ça prend des notes. Ah, la terre est ronde, ben voyons, non, la terre est ronde, toi. T'as pas trouvé ça dans tes cornflakes en mangeant tes céréales, j'espère, ma tête, toi, les signifiants. La terre est ronde. Tigu Tremblay est tombé en bas de la terre en sortant du bord à 3h du matin hier soir. Il savait que la terre était ronde. Ça tournait de tous les bords. Hey, wow! Comme disait Léo Ferré à propos de la terre, elle tourne. Ah, ça, je l'ai déjà fait, mais il y a longtemps. C'était dans des brides de sketch, mais là, c'est dans l'ensemble. Hein. Elle tourne et s'appelle la terre. Elle tourne et se fout bien de la misère. Elle tourne une java chimérique. Elle tourne et on appelle ça de la musique. Hey, en passant, avant d'enchaîner sur la prochaine musique, je voulais dire à tout le monde que lorsque je me pratiquais à parler un peu tout à l'heure dans mon chez-moi, dans mon 1,5, avec mon attaché de presse qui s'appelle Geneviève. Ah, je l'ai trouvé, l'attaché de presse. Ah, ben, c'est elle qui m'a trouvé. C'est ma voisine d'en haut. Ah, je suis tombé en bas de mon lit à un moment donné, puis elle est venue voir si... Ah, depuis ce temps-là. Elle dit, ah, c'est vous les rares, ah, c'est moi. Ah, nous vivons une histoire incroyable. Alors, Geneviève. Elle m'a dit, tu devrais pas faire de radio de même. T'es pas en forme, tu te touches au corps de tour. Ah, ben voyons donc, devant un micro, ça va tout arrêter. Ben non. Hey, les artistes, moi, je suis pas un artiste, moi, je suis une tartiste. Moi, je suis une tarte. Fourré à quoi, moi? Ah, à n'importe quoi, mais je me fais pas fourrer à n'importe quoi. Ah, parce que je vois arriver le fourreur rapidement, moi. Ah, c'est bon. Ah, votez pour moi. Non, à toi, mon fourreur. Votez, on vote pas pour toi. Vote pas pour toi. En vérité, je vais le dire. Hey, toi, en vérité, tu me fourreras pas ma tête, oui. Non, je me fais pas fourrer à n'importe quoi. Mais par contre, il y en a la majorité, hein, les gens, je me suis fait avoir. Ben oui, tu l'as pas vu, toi, moi, je l'ai vu, c'est comme le requin. Ah, on revient au requin. Le Yagor, hein, qui fait semblant de rien, qui se promène dans l'eau, hein, j'espère. Il y en a sur Terre aussi, hein, qui se promènent, qui attendent la proie. Puis à un moment donné, hein, elle arrive vers toi, hein, la chose, là, le requin. Et là,
il t'attaque. Mais là, il t'attaque pas par devant, normalement. Là, quand tu nages sur l'eau, hein, il va bondir. Là, pendant tout ce temps-là, lui, il était inerte. Hein, il voguait, mais en direction, puis rapidement. Là, hein, là tu dis, hey, il sera pas capable de sauter, lui. Non, hey, dernier secousse. Excusez-moi, dernier sprint. Excusez-moi. Il monte, puis là, attaque la proie. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Rouen! Il mange. Juste parce que le cave, l'imbécile, voulait filmer des requins. Mais tant mieux, fais-toi manger si t'as voulu être mangé. Tu voulais vivre ce fait-là de se faire manger en direct. C'est ça quand tu te fais manger. C'est pas quand Rita bouffe ton dog, là. Wow! Tu te fais gober au complet, membre par membre, jusqu'au cœur à Wildon. Pour lui, c'est une bonne nourriture, tant mieux. Next! Oh, bon, OK. Aujourd'hui, le samedi 11 octobre 2008, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, des problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Nous pourrons également apprécier du côté mélodique le groupe cher à l'errance rénaldienne Robert Mitchum, Thomas Fersen, Fred Fortin, mon oncle Serge et DJ Malboro. Mais lui, il est mal barré parce que... Ah, c'est... Il en fume des Malboro. Ah, là, j'ai un texte là, que j'ai écrit. Est-ce que je le lis aujourd'hui? Je crois pas. Mais j'ai ça ici. Soit qu'on prend 2 minutes, mais on est déjà en retard, fait qu'on pourra pas. Et pour nous envelopper dans une atmosphère urbaine, aride et réaliste, unissons-nous autour du film de Laurent Boutnick, Select Hotel. J'ai voulu te prêter ce film-là aux filles qui sont avant moi. Mais j'ai toujours une réticence. Peut-être la semaine prochaine. Je vais attendre que les trois soient là. Select Hotel, en 1996, et mettant en vedette Julie Gayette, je t'aime. Jean-Michel Fait, Serge Blumenthal, Marc Anderoni, Sabine Baye, Éric Aubrin, Emmanuel Rose et Michel Gondin. Mais c'est Julie Gayette. Si c'est pas ça, Julie, ben, tu me le diras. Tu m'envoieras un enregistrement juste en nommant ton nom. Julie Gayette. Non, elle a une voix beaucoup plus séduisante. C'est incroyable. Nathalie, une jeune fille sans joie de 20 ans, erre à travers la ville nocturne. Elle offre son corps pour trop peu de billets. Son frère la protège avec un amour absolu qui lui octroie sa force de vivre. Pierre, un cordonnier, se fascine pour ce genre d'univers hors norme et vivra pour un instant seulement, comme disait Brel, une rencontre troublante, rare et précieuse dans le monde clandestin du Select Hotel. Maintenant, enrobons-nous en ce samedi, proposons-nous un fil humaniste imagé entre vous et moi. Un voyage chargé pour cette journée estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter et nous envahir? Oui. Alors maintenant, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement et laissons la musique nous enchanter.